laver ma gloire vivant, nourrir ma parole vivant, pour me servir mon Dieu vivant, tout autant moins rester vivant. La paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Amen. Amen. À chacun de nous. Et vraiment, il y a Pasteur Karl qui a introduit moi. Nous sommes le 3 décembre 2023. Et ça nous a dit, c'est le virage de la dernière thématique de l'année. Pour même qui sont le peuple de Dieu, et le sacerdoce royal, le peuple acquis, n'a pas l'incarné mon Dieu, et a bénéficié de sa gloire, de sa couverture pour toute prise durant 11 mois. C'est vraiment difficile. Et voici le mois d'introspection. Et qui invite-nous pour nous consolider nous avec la prière. Augmenter sagesse, nous, renouveler pour danse, nous, capable de dire pour nous rétablir relation, nous, pendant nous soigner, communion, nous, avec mon Dieu, et pendant nous sanctifier, nous, pourquoi pas, car ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Maintenant, moi, ça, pendant nous garder autour de nous, nous prenons, on stop, non, c'est. Aïe, boulevard pas comme ça pour nous peser sur l'accélérateur. À bon côté, il faut ralentir, il faut camper, pour garder, il faut checker. Nous-mêmes, dans Angelo, chaque matin, nous faisons ça, une ronde de sécurité avant nous prendre l'arrière. C'est ça, l'introspection, inviter nous faire. Forcez-nous pour nous présenter des bonnes œuvres. On a pour offrir des actions de grâce à l'Éternel. Eh bien, dans toutes les considérations, ça y est, nous venons dans la Lamentation de Jérémie. C'est un livre qui constituait une sorte de recueil de poèmes qui peint les malheurs de Jérusalem et sa destruction par l'armée babylonienne vers les années 587 avant Jésus-Christ, le bien-aimé. Et là, regardez la Lamentation. Lamentation, je l'ai dit, ça le dit. Eh bien, nous venons, au fait là, de traiter les malheurs qui se sont abattus sur Jérusalem, côté peuple a lamenté, et que Jérusalem, qui est vraiment dans un moment, il a multiplié des péchés. Et c'est pourquoi il était toujours objet d'une série de mépris, de toutes sortes de diversions, de toutes sortes de romans, mais parce que bon Dieu était juste, mais ils vont écouter, ils étaient vraiment fonds en rétrospection, ils étaient rebelles envers bon Dieu, ils étaient vraiment plaignants, ils étaient plaignants, et bien des versets, ils ont évoqué, et côté prophète là a dit, côté peuple là, la fond ramassé, peuple là dit, j'ai beau crier, et implorer du secours, Dieu ne laisse pas accès. C'est-à-dire la vie dure, la vie, et on peut périclité, ce n'est pas un bagage qui date d'hier, mes bien-aimés. Donc, côté, nous vivons, dit, mon Dieu, pourquoi nous oublieras-tu pour toujours? Nous aurais-tu entièrement rejeté? Qui lutterait contre nous jusqu'à l'excès. Soit, parce que c'est pas un chapitre qui est long, même qu'habitué de lire là toute année, l'arrivée dans le chapitre 5, vraiment, le peuple a lamenté. Mais, malgré tout, il était du bon côté, il était misé sur la bonté de l'Éternel qui n'est pas épuisé, sur la fidélité de Dieu qui sont grand bagage. Mais il n'a pas fait ça. Parce que il était un peuple élu. Mais bon Dieu lui-même, il était un Dieu de l'espérance.
bien, il y a un côté, même ça avec les versets qui nous ont thématiques, non? Il dit, fais-nous revenir vers toi, pour l'Éternel, et nous y reviendrons. Dans le chapitre 7, là. Et tu as parlé avec mon Dieu. Eh bien, mes bien-aimés, dans le chapitre 3, verset 40, côté nous joindre, thème-nous, thème-moi, il dit, recherchons nos voies et rendons, et surtout, retournons à l'Éternel. Et donc, j'en ai vu là, mes bien-aimés, nous méritons par ses mains, nous méritons analyse en profondeur, une sorte d'autocritique. Parce que un chrétien qui a marché avec mon Dieu, c'est une personne introspective qui s'applique à examiner ses sentiments, ses pensées, ses états d'âme. Amen. Et, amen. Oui, c'est un exercice qui est un petit peu cocasse, pas facile, mais nous pas doué orgueilleux, nous pas doué torser quoi. Nous, c'est mon exercice ça. Le matin, thème n'a pas de nous faire, sont exercices qui permettent tout aussi bien de mieux nous connaître. Et cela nous permet également de savoir ce que vous devez changer ou améliorer si vous êtes honnête à soi-même. Et parfois, et bon, paquet de questions, peut-être qui t'a entraîné dans la thématique là, parfois, on est capable de demander pourquoi est-il important pour un chrétien de faire l'introspection, pour pas dire. Quel est le sens de l'introspection pour un chrétien? Pourquoi et comment faire de l'introspection? C'est toute une série de questions à se poser. Maintenant, on a fait un petit peu de tout. Pendant qu'on a réclamé de vous pour faire pour là, et moi-même, première question, je me suis posé peut-être, pour faire un tel exercice, il faut tout d'abord être dans la dimension de faire un tel exercice. Ça, c'est le premier bagage. Le premier bagage, pour considérer dans ce segment ça, n'importe comment aujourd'hui, pour nous chercher toutes sortes de bonté, toutes sortes de souplesse, toutes sortes de sagesse. Parce qu'il ne faut pas arrogant. Il faut que nous descendions, pour que nous retirions nos soucis comme moi, pour nous descendre dans cette thématique-là, parce que bon Dieu, les font travailler avec nous, il dit, je vais rentrer la caille. Parce que nous n'avons pas besoin de faire notre service. C'est pour ça qu'il est venu, car le Fils de l'homme était venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Quand nous gagnons, et pour les bagages, après bonté, nous avons réclamé la caillou. Faut que c'est des bagailles, faut que c'est des prières, faut que c'est des supplications, n'a adressé avec la douceur, avec la tempérance, qui se défouille de l'esprit, qui se décalité, qui se des vertus morales que Dieu lui-même lui bat nous. Et vous pas besoin de gonfler le tout, c'est pas où. Mwen danen ap chante, se rete mwen rete mwen kon sa, se pa an yon fè pou sa. Se vou fè an pil vey di ni, ou fè an pil jen, ou fè de sakrifis. Pa rete ou rete ou fè kon sa. Men gen de bagay, se bon diek ba nou. Se pa nou yon kon sa. Se nan bon diek l soti. E sakwe, le salmist, li di nan somme 115 verset 1er, salmist l'an di, men nou pas an nou, l'Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Si la fond de rétrospection matin, la point, les nous potes co-chrétiens, les nous potes co-convertis, avec mon nous et je dis à ces deux personnes distinctes. Et ceci, ça m'a dit là, il est tellement fondé. C'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8, 9 et 10. Bien, l'apôtre dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
marcher comme des enfants de lumière. Car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et ça crée introspection, il m'a dit pour analyser en profondeur, pour examiner nous, examiner ce qui est agréable au Seigneur. C'est ça l'introspection. C'est ça le permettre de faire, le permettre de analyser. Et avant la conversion, il faut que le monde t'a osé pour t'a demandé de faire une telle considération de nous joindre l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 43, en son regardé. Je veux dire, Jean gang a dévoré mon Dieu dans le monde, tué, lâché, écrasé, fait mon déporter mon dans propre la caillou, mon exilé dans propre pays. Et puis, vous levez un beau matin, et puis, pour demander au fond tel exercice, on regarde dans Matthieu chapitre 5, verset 43 à continuer. Et puis la Bible va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu railleras ton ennemi. C'est ça qu'on te connaît. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous persécute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire que lors de la rétrospection, où est son exercice qui est vraiment difficile? Au monde qui a maltraité, l'autre dirigeant dans le pays d'Haïti, le pays qui a dit, pour jamais ça traiter le monde, même bête, la caillou pas traité comme ça. Et puis, il dit, pour rien, même ça, pour prier pour eux. Donc, ouais, c'est pas un exercice qui est vraiment facile. Et je dis, à un niveau arrivé là, l'autre font rétrospection. Ouais, c'est deux mondes différents. Et si le monde t'a mandé, l'homme peut convertir ou t'a pas habité en bon créole ou t'a pas cherché ça qu'a ça yon te dit de cela pour correspondre avec lui. Et je dis à grâce soit rendue à Dieu pour son nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous comprenez? Ou son l'autre monde, ou son monde nouveau, ou né de nouveau. Et deuxième bagaille, ma partie attention au matin, mathématique là. N'abdi, bon Dieu, merci. N'abdi, merci, les n'abfonds rétrospection, et merci, Dieu le Père qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et qui nous a rendus capables d'avoir part dans le royaume des saints. Vous avez besoin de prononcer vraiment des paroles audibles à ma Père. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ayez des paroles l'audibles, des paroles douces, assaisonnées de sel. Une parole, et la Bible dit, une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. L'introspection résume tout ça. Mais nous sommes dans le monde, nous manger habillés comme le monde. Nous songez comportement nous. Maintenant, la Bible demande nous, n'ayez aucune part avec le monde. Car nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde.
Jésus peut mettre introspection, lui permettre de nous faire décantation, ça. Ce que Jésus a fait de nous, la lumière du monde. Marcher comme des enfants de lumière. Les fruits de la lumière, mes bien-aimés, consistent toutes sortes de bontés, de justice et de vérité. Il fait oublier les souvenirs du passé. Maintenant, on a gardé en face nos progressions spirituelles. Je veux dire, on a obligation où il faut choisir. Maintenant, on a conseillé fortement de choisir la lumière, la vérité. Un malheur à monde qui mettait même à charia et qui t'a regardé en arrière. C'est pour cette raison, un point exemple pour moi, un point exemple qu'on a vu tous les jours. Dans une voiture, nous n'avons pas brise là. C'est pour cette raison, non, c'est pas sans raison, nous ne faisons pas brise là, mais la jet, mais gros, c'est devant. Et puis, nous avons regardé le rétroviseur, il est tout petit. Sans raison que ou pas de raison pour focuser en arrière, ou faire un coup d'œil, juste pour écouter comment y est, si vous pas garé dans la rue, si vous pas conduit mal, si vous pas fait conduite dangereuse. Mais pas mis la main l'argent devant. Je veux dire, n'a piqué devant. C'est un exemple qui est vraiment probant. Soyez plein de bonnes dispositions, de toute connaissance, capable de nous exhorter les uns les autres avec amour, avec la tempérance, avec douceur. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Ce n'est pas pour rien, nous sommes nos saints. Nous faisons partie des saints dans le royaume de la lumière. Maintenant, invitez-nous pour nous rester vraiment loyal, pour nous rester sincères, pour nous rester honnêtes. Car mon Dieu, pour nous grandir en stature et en sagesse. Parce que bon Dieu lui-même, il crée nous avec des bonnes natures, avec une bonne nature. Et c'est ça qui fait nous assez solides. C'est ça qui bat nous rien. C'est ça qui bat nous assez de matière pour ne pas garder les convoitises de ce monde. Mon philosophe, bon, il y a quelque part, il fait recherche sur monsieur, il dit, monsieur, pas même là avec les autres, monsieur, au moins, tu as un pourcentage de la crainte de Dieu. Et Rousseau, philosophe français, il dit, l'homme est né bon, mais la société le corrompt et le rend misérable. Les paroles, ça, donc, on dit ces paroles, nous chrétiens, pas paroles au monde qui n'est pas bien état d'âme, les paroles au monde qui est cultivé, qui a pensé. Au monde, même avec tout chrétien qui a pensé à l'amour, qui a pensé à la miséricorde de Dieu. Et à ce niveau, vous allez être capable de faire la route sans grand âge. Dieu fait introspection. Il invite-nous. Pendant la lamenté dans la fidélité de Dieu. Donc, sachez que Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu, il est celui qui s'appelle Je suis. Il a les regards sur nous. Puisque nous sommes tous les créatures de Dieu. Et l'homme qui a cherché, mon Dieu, les doués sont imitateurs de Jésus-Christ. Donc, pas doués seulement avec les dimensions de l'homme qui a cherché ce qui frappe la vue. Et ça, l'évangéliste l'a dit là, priez pour ceux qui vous maltraitent. Le diable nous y a.
exercice là capable vraiment difficile. Cependant, il faut le faire. Pendant que la société a perdu l'immunité, c'est lui, nous pas moun encore, n'a descend comme profondeur et la Bible n'a pas de profondeur. Mais des fois, nous connaissons des gens qui ont analysé la société, ils disent nous vivons trop bas, il y a trop de cruauté. Je dis, cruauté impitoyable, autorisée. C'est ça qui a inculqué nous, c'est ça qui a battu comme notion. Pour nous vivre, l'homme vient méchant, sans état d'âme. Et puis la Bible te dit ça. Les hommes viennent plus méchants. Ça, les méchants viennent plus méchants. Et si nous ne pas vivre nos réalités, si nous ne pas étudier la parole de Dieu, la tête nous pas parti. Parce que nous ne pas arriver, nous ne pas mener, nous ne pas descendre dans la dimension côté à mener nous là. On a mouru, papa, pas tout ça, on a braché le monde, cochon, chien, a mangé le monde, ça n'a pas dit personne rien, il y a endurci davantage. Mais si on veut mourir aujourd'hui, pour exalter le nom de Dieu, et c'est parce qu'on a une dimension, la caillou, qu'il ne faut pas qu'à tolérer ou pas qu'à garder, même le monde qui a une image sur le téléphone, on veut faire malhonnête, parce qu'on a une autre dimension. Et depuis qu'on va arriver dans la dimension ça, on prend poids, on est sur l'autre monde vraiment. Mais bien aimé, le matin, la catégorie monde, il est là. Et peut-être, on parle de la catégorie monde qui a dérangé le monde. On est sur la catégorie de monde qui a appelé pour ne pas avoir de l'argent clair. En rendant le mal pour le mal. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix. Faites du bien à ceux qui voient. Ne les méprisez pas. Si vous êtes capable de les aider, n'hésitez pas à le faire. Et en agissant ici, vous avez la nature de Dieu. Posez des actes vraiment de compassion. Soyez charitable, pas quitter la société à influencer nous. Il faut des méchants. Dans le web, il y a deux signes. Pas quitter le monde, mettez-vous dans la situation pour pas capable d'adorer, pour perdre la grâce de Dieu. C'est ça la prescription. Gardez l'état d'avancement, nous. On a gardé le côté de nous passer maintenant à genou pour les jours. Et dans l'évangile là, pour nous sincères, et l'abserver bon Dieu, parce que bon Dieu nous a fidèles. Ça fait la mano dans la thématique ça, dans le débat matin, servir bon Dieu là fidèlement. Fait du bien, même lorsqu'on vous remerciera à coups de pied. Et comme on a regardé dans la loi Carmario, en plus, on a sorti pour essayer de moraliser le monde. Et on a des situations difficiles, il y a pour remplir. Et donc, on a des bagages, on ne peut pas avoir relaté dans le bois, mais on a des vérités profondes qui ont servi la société. Bible à son encyclopédie. Si vous avez fait tout petit détail, vous n'avez pas capoté. Vous avez dit, en numériser les pour vous donner la mémoire éliminée. Mais les bagages, bon, je continue à inspirer le monde, les moralistes dans la société pour échanger, pour nous capables de vivre mieux. Oui, bon, Dieu est mort fidèle. On continue à lamenter. Avec la douceur, la tempérance, avec un cœur d'amour, rempli de sagesse, de miséricorde, un cœur aimant le bien. Maintenant, moi, introspectivement,
mando pour son l'autre monde tout bon. Pas gain rancœur pour libérer tout prisonnier qui on a fait carcéral cœur tous les captifs libérés et vous serez soulagés. Et concernant pour ce pour atteindre light ami the light and peace le cher ministre membre soyez bon soyez libre et que Dieu vous soit en aide et vous bénisse abondamment et vous mette en garde dans un cercle sécuritaire pour que vous vous sentez protégé bien gardé. C'est ça l'exercice de tous les gens. Shalom, shalom. Soyez bénis. Bon dimanche. Déjà, on a une bonne adoration. Et c'est la semaine de tous les gens. À chacun de vous. Qu'il en soit ainsi. Amen. 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 Amen.